Salut, salut! Salut tout le monde! On est en direct et en live. Salut Pauline! N'hésitez pas, c'est le moment si vous avez des questions. Salut Cyril! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est journée off aujourd'hui, donc ça fait du bien de couper un petit peu, de se reposer. La Bretagne te manque pas trop? Si, un petit peu. Forcément, et surtout que là, j'y suis pas rentrée depuis les vacances de Noël. Donc, hâte que le confinement soit terminé et que je puisse y retourner dès que je pourrai. À quand le prochain stage en Bretagne? Alors, pour l'instant, les stages, pour tout vous avouer, c'est en stand-by avec le confinement. On travaille dessus, mais c'est compliqué de se projeter, donc on ne sait vraiment pas quand sera le prochain, ni où il se déroulera. Donc je vous tiendrai informé sur mes réseaux, restez connectés, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Comment se passe mon confinement? Bah écoutez, ça va, hein. Ça va, ça va, on fait comme tout le monde, on essaye de prendre son mal en patience et puis on a hâte de pouvoir sortir. C'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire, donc je m'ennuie pas trop. Déjà, le sport, ça prend pas mal de temps et puis après, l'après-midi, elle passe quand même relativement vite et pour l'instant, ça se passe bien pour moi. Nos vidéos today, non, aujourd'hui c'est off, alors il n'y a pas de vidéo de sport, mais. Bah, je reprends mardi, donc vous verrez ça mardi. Salut pour ceux qui viennent d'arriver. Après 2021, tu vas prolonger à Lyon? Bah, on verra, hein. On verra. Pour l'instant, c'est 2020, donc on verra ce qui se passera l'année prochaine. C'est trop tôt pour en parler, pour... Voilà, on verra. Cyril, il dit alors le risotto, il était trop bon. Franchement, on s'est régalé. Et non, c'était top, c'était top. Merci pour ce petit cours. Non, j'ai pas refait. Non, non, j'ai pas refait. Mais c'est vrai que j'essaie de varier aussi ce que je mange et les repas. Et on fait rarement le même repas. Donc voilà, mais je te tiendrai au courant quand je le referai. Dédicace à Enokel. Voilà. Salut, salut. Je te soutiens à fond, continue. Merci de ton soutien, Amaury Drumer. Il te reste combien d'années à Lyon? Jusqu'en 2021. Quand est-ce que tu viens à Quiberon? Ah, des bons souvenirs à Quiberon, c'est vrai que c'est un bel endroit et c'est en Bretagne pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous conseille d'y aller un jour si vous avez l'occasion. Tu peux me faire une dédicace si ça te dérange pas. Lou de Four, dédicace à Lou de Four. Camille, il était bon le risotto. C'est ma sœur, elle a fait le risotto parce qu'elle avait vu mon live, du coup ça lui a donné envie. Et d'ailleurs, je vous fais un gros bisou si vous me suivez, si vous me regardez. Rejoindre les Girondins de Bordeaux. Pour l'instant, je suis bien à Lyon hein, en fait, donc c'est pas d'actualité. Dédicace à Servéléo.
C'est quand que tu gagnes un titre avec l'équipe de France? C'est une bonne question, ça. J'espère bientôt. C'est vrai que c'est la seule chose qui me manque à mon palmarès pour l'instant. Donc j'espère que ça sera le cas. La prochaine compétition, c'est l'Euro, qui sera peut-être en 2022. Normalement, c'est en 2021, mais peut-être en 2022, on verra. Tu joues à quoi comme jeu vidéo? Alors, je joue à FIFA, à Call of Duty, et sur la Switch, je joue à Mario Kart. Ton joueur préféré? Alors, j'ai pas de joueur préféré. En fait, j'aime bien tous les joueurs, tous les grands joueurs. J'aime beaucoup regarder le foot à la télé, les meilleurs championnats. Donc, les meilleurs joueurs, j'aime bien tous les regarder. Tu fais combien d'heures d'entraînement par jour? Bah, ça me prend environ 1h30, 2h. 2 heures d'entraînement en tout. Tu penses qu'on va reprendre le football quand? Bonne question. Si on reprend. Bah, c'est en cours de réflexion, donc je suis comme vous, j'attends et je patiente. On verra, j'espère qu'on va reprendre. Après, il faut reprendre dans des bonnes conditions pour tout le monde, évidemment. Donc aujourd'hui, la situation sanitaire fait que on est confiné déjà et qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas si on pourra rejouer. Donc voilà, on attend et on espère que la situation va s'améliorer pour pouvoir reprendre la compétition. Tu regardes des séries? Oui, j'ai regardé La Casa de Papel, forcément. J'avais déjà regardé les saisons précédentes et la dernière qui est sortie, j'ai regardé. Une saison que j'ai regardée aussi, que j'ai adorée, bon, ça fait un petit bout de temps maintenant, mais c'était Game of Thrones. Voilà, c'est vraiment une série que je vous conseille. C'est dans les top séries. Sinon, j'ai regardé The Last Kingdom aussi, qui est une très bonne série aussi. Et puis, je regarde pas mal les documentaires aussi sur Netflix, j'aime bien. Et voilà, j'attends celui de Michael Jordan avec impatience. Tu joues au foot depuis quel âge? Oula, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi en club. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant. Et sinon, bah, dès l'âge de 2 ans, je jouais dans mon jardin avec mon ballon. Il m'a jamais quitté en fait. Viking, oui, je sais, Viking, il faut que je regarde aussi. C'est un peu dans le même esprit que The Last Kingdom, donc c'est une série que je vais peut-être regarder. Salut Nono, dédicace Nono GG45. Mon meilleur souvenir avec l'OL, j'en ai plein forcément, on a gagné beaucoup de titres, donc il y en a plein qui viennent à l'esprit. Après, je dirais le premier titre en Ligue des Champions, parce que je venais d'arriver au club, c'était ma première saison, j'avais 21 ans, et on gagne la Ligue des Champions pour ma première saison. J'ai joué en plus, je suis rentrée en finale, enfin, c'était le top pour moi, c'était le rêve. Écris un livre sur toi. Ouais, peut-être un jour. Si tu avais pas été footballeuse, quel métier j'aurais fait? Bonne question. Je sais pas. J'aurais fait un métier dans le sport et dans le foot, mais après, je sais vraiment pas. Tu t'es blessée où? Mes principales blessures, c'était musculaire. J'ai jamais eu de grosses blessures. J'espère que ça arrivera pas, mais ouais, le musculaire, les ischios, et surtout les ischios. Tu peux me faire une dédicace, s'il te plaît? UOASP, dédicace. Tu connais la série Peaky Blinders? Oui, j'ai regardé. Bien aussi. Tu peux dire Roman? Bah, Roman. Non, mais arrêtez, je vais pas faire tout mon live à faire des dédicaces quand même. Je dédicace à tout le monde qui regarde mon live, voilà. Vous avez toute ma dédicace. Mon plus beau but, je vais dire celui avec l'équipe de France en 2014 contre la Nouvelle-Zélande, où c'était un enchaînement, contrôle de la poitrine et reprise de volée du gauche dans la lucarne. C'est, je pense, mon plus beau but.
C'est quand que tu as marqué ton premier but? Précise, avec l'OL, avec l'équipe de France? Tu viens quand dans le 76? Bah, pour l'instant, je suis confinée chez moi, alors pas tout de suite. Dans quel sport es-tu le plus doué après le foot, bien sûr? Donc le judo, le deuxième sport que j'ai pratiqué de l'âge de 4 ans jusqu'à mes 12 ans. Et j'avais un bon niveau, mais malheureusement j'ai choisi le foot. Mais bah, j'étais quand même championne de Bretagne, donc plutôt fière. Et je pense que j'aurais eu un bon niveau si j'avais continué. Quel est ton record de jongle? Ça, j'ai jamais vraiment fait de record. Quand j'étais jeune, enfin, je sais pas, de jusqu'à mes 10, 12 ans, 14 ans, je jouais souvent chez moi, toute seule avec mon ballon. Donc, je faisais mes jongles et je comptais mes records et j'essayais de m'améliorer chaque jour. Mais maintenant, je fais jamais de record de jongle, en fait. Est-ce que tu connaissais Vin Sky avant de faire des vidéos avec lui? Si oui, depuis combien de temps? Non, en fait, on s'est rencontrés pour faire une vidéo la première fois. C'était en. Ça doit être en 2017, je crois. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Tu en penses quoi de l'équipe nationale américaine? Bah, c'est les champions du monde, hein. C'est pour moi la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Tu penses jouer jusqu'à quel âge? Bonne question, je me fixe pas d'âge. On verra ce que mon corps et ma tête me diront. J'espère jouer encore pas mal de temps en tout cas. Comment s'inscrire à ton stage? Bah, la plupart du temps, c'est les infos, elles sont sur Instagram, donc sur mon compte. Vous pouvez aussi suivre le compte du stage directement. C'est stage ELS. Voilà. Après, le prochain, je ne sais pas quand est-ce qu'il va avoir lieu à cause du confinement et tout ça. Mais pour s'inscrire, après, c'est sur mon site internet. Donc quand l'info elle sort, il faut être rapide. Tu viens quand dans le 63? Bon, bah, allez, je vous ai déjà dit, là, je suis confinée chez moi, je ne peux pas venir, désolée. As-tu rencontré Léo Messi? Non. Est-ce que tu connais Poitiers? Ah, je connais le Futuroscope, je sais que c'est pas très loin, mais c'est tout. BZH. Ah, pour tous ceux qui me demandent, des fois, BZH, ça veut dire Bretagne, c'est les initiales qu'on utilise pour désigner la Bretagne. Connais-tu par cœur Clairefontaine? Oui, parce que j'y ai été pendant un an et puis on y va régulièrement avec l'équipe de France, donc je connais, ouais. Ça fait combien de temps que tu joues à Lyon? Depuis 2010. Donc ça fait 10 ans. Ça passe. J'ai adoré ton documentaire, top. Bah merci, c'est gentil. D'ailleurs, je sais pas s'il est encore sur les plateformes de replay, mais voilà, n'hésitez pas à aller le regarder. As-tu des conseils à donner pour mieux jongler? Les seuls conseils que je peux donner, c'est le travail, s'entraîner beaucoup. Et puis, comme je dis souvent, moi, quand j'étais petite, bah, si je faisais 10 jongles, bah, le lendemain, j'essayais d'en faire 11. Donc, essayer chaque jour d'en faire un de plus, bah, c'est l'objectif, toujours un de plus. Et puis, au fur et à mesure, on progresse, on avance, et c'est comme ça qu'on jongle de mieux en mieux. Tu peux nous en dire un peu plus sur OL Reign? OL Reign, c'est le club américain qui a été racheté par l'OL. Donc c'est une équipe qui évolue dans le championnat américain de football féminin.
et qui appartient à l'Olympique Lyonnais. C'est quoi ton geste freestyle préféré? J'en ai pas. Hein. Enfin, j'aime bien faire le tour du monde parce que je le réussis. Après, je m'entraîne pas beaucoup au freestyle, donc c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours sur le terrain. Mais en tout cas, j'admire ceux qui en font et ça se développe de plus en plus. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut s'entraîner tout seul. Donc en ce moment, pendant le confinement, il y en a beaucoup qui se sont mis au freestyle, c'est sympa. Tu vas refaire des stages? Oui, je vais en refaire. Je sais pas quand, mais oui, je vais en refaire. Donc n'hésitez pas à suivre le compte du stage pour avoir plus d'infos. Et quand les infos sortiront, bah, vous verrez sur mon compte. Et sinon, bah, je sais pas quand. Tout est en stand-by. Ce que vous savez du pays du Mexique, bah, j'y suis allée pour mes dernières vacances. Et c'est vraiment beau, c'est un beau pays et bon, j'ai pas eu le temps de tout visiter donc j'aimerais bien y retourner un jour, mais c'est un très joli pays. Comment vis-tu le confinement? Bah, j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais je le vis bien. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rester positif et d'être patient. Et voilà, j'espère que le 11 mai, on pourra tous sortir. Mais voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Moi, ça va. Mes proches, ça va. C'est le plus important. Tu as été recrutée à quel âge? Bah, je suis arrivée à Lyon à l'âge de 20 ans. Voilà. Tu connais Belfort? Oui, je connais la ville de Belfort. C'est jusqu'à quel âge les stages? Les stages, c'est pour les filles de 9 à 16 ans. C'est qui ton idole? Alors, mon idole, quand j'étais petite, c'était Zidane. C'était le joueur que j'adorais regarder. Et puis tout ce qu'il a fait pour son pays, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai pas d'idole. Comme je disais avant, je regarde un peu tous les joueurs et j'en ai pas un en particulier. Et j'aime bien tous les grands joueurs. Tu viens de quel département en Bretagne? Je viens du Morbihan. Et j'ai grandi à Ploemeur. Mon premier club de foot, alors mon premier entraînement, c'était à l'AS Plumergat, donc c'est dans le Morbihan. Mon geste technique préféré, je vais dire le retourné acrobatique, parce que c'est un geste qui est difficile et qui demande aussi la synchronisation entre le passeur et le finisseur, donc c'est un geste qui est très compliqué à réaliser. Tu penses organiser un jour des stages de foot pour adultes? Peut-être un jour, hein, qui sait? Faut jamais dire jamais. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais pourquoi pas? Merci pour les cœurs. Merci pour les pouces. Ah, Caroline Garça, si tu me regardes. Le conseil, c'est le travail. Donc, si tu veux être meilleur avec tes pieds, il faut travailler. Donc, je dis ça avec une raquette, je suis un peu nulle, hein, mais. Tu peux essayer de jongler avec ta balle de tennis, peut-être ça marchera. As-tu déjà rencontré Ronaldo? Alors, non. C'est comme Messi, je ne les ai pas rencontrés. Quelle était ta matière préférée plus jeune? Le PS. bah forcément, j'aimais bien les cours de sport. Après le sport, j'aimais bien l'histoire géo, j'aimais bien l'anglais. Après, comme tout le monde, ça dépendait sur quel prof je tombais.
Il y a des fois, il y a des matières que j'aimais pas, puis l'année suivante, j'avais un prof qui me donnait envie d'apprendre, et puis voilà, hein. Des fois, ça, c'est le déclic. Tu étais à Jules Simon? Oui, j'étais au collège Jules Simon à Vannes, en sport-études, et à l'internat. Qu'est-ce qui t'a autant motivé pour progresser? Bah, la passion. Ah, Caroline Garcia, quand est-ce que j'ai le droit à un cours particulier pour mes pieds carrés? Quand tu veux, hein. Comme ça, tu me donneras un cours de tennis. Parler de foot, pas d'école. On peut parler de tout ici. As-tu déjà rencontré Antoine Griezmann? Oui, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer sur des opérations avec un sponsor qu'on a en commun. As-tu des conseils pour le cardio? Pendant. Parce que comme on ne peut pas aller à plus d'un kilomètre, à part faire des tours de chez soi. Après, tout ce qui est CrossFit, etc., ça permet aussi de travailler le cardio. Donc, il y a plein de choses à faire. Écrire un livre. De plus en plus à me demander. Un jour, peut-être. Quel est ton plat préféré? Tu ferais quoi comme métier si tu n'étais pas footballeuse? Bah, je sais pas, j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais j'aurais sans doute fait un métier en rapport avec le sport et sans doute le foot. Penses-tu revenir sur Lorient dans les prochains mois? Bah oui, j'espère. J'espère, j'ai de la famille là-bas, donc j'y retourne régulièrement. Ça te manque le foot, oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de reprendre et. Eugénie, je te suis depuis que j'ai 3 ans, je t'adore. Ah ouais? Depuis que t'as 3 ans ou depuis 3 ans, 3 années? Quel est ton animal et ta couleur préférée? J'en ai pas, mais j'aime bien ça chez les autres. Et sinon, s'il y a un animal que j'aime bien, c'est le singe. Parce qu'il se rapproche le plus de nous, c'est intelligent. Et voilà. Ton meilleur stade où tu as joué? Bonne question. Bon, déjà. Le stade, j'aurais pu. Ouais, il y en a plein après, hein, mais. Moi, ouais, je pense que c'est les deux que je préfère. Pense quoi d'Eden Hazard? C'est un joueur que j'aime beaucoup. Très fort. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat chez moi. Joueur masculin préféré, j'ai déjà répondu. J'en ai pas un. Voilà, j'ai eu Zidane comme idole quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'en aime beaucoup.
Est-ce que tu te souviens de ton premier match à l'OL? Mon premier match de championnat, je crois que c'était contre Toulouse, il me semble. Penses-tu battre le record de Marinette Pichon? Bah oui, j'espère. J'espère et... Bah après, pour l'instant, on joue pas, mais... On verra. Salut Florent, au passage. 'Quelles sont tes passions à part le foot? Le foot. Bah, c'est ma passion, c'est ce qui prend le plus de place dans ma vie, on va dire. Donc, pas trop le temps d'avoir d'autres passions à côté, mais non, j'aime bien faire plein de choses, mais on ne peut pas parler de passion. As-tu des nouvelles des autres joueuses? Oui, un petit peu. On prend des news, quoi, entre nous et... On a un groupe WhatsApp pour se donner des nouvelles. Mieux pour si un jour la saison reprend, quoi. On attend les décisions et voilà. Est-ce que tu pourrais faire une séance de dédicace dans le Morbihan? Peut-être un jour, pourquoi pas? Tu as déjà joué à Lorient? Oui, j'ai joué 3 saisons au FC Lorient. T'es né quand? Je suis né le 18 mai. Des conseils pour le tour du monde? Enfin, je suis pas la meilleure personne pour ça, mais... S'entraîner, essayer. Après, ouais, moi j'ai réussi comme ça en essayant chaque jour. Bah déjà, faut savoir jongler, je pense. Et puis après, quand on est à l'aise, on essaye d'autres choses. Combien de temps que je joue à l'OL? 10 ans. Tu as fait quoi comme étude? J'ai fait un bac ES. Et après, j'ai passé un BPJEPS, activité pour tous. C'est un diplôme d'éducatrice sportive. Et puis après, je suis arrivée à Lyon, donc, où j'ai été professionnelle tout de suite. Tu as déjà regardé Olivier Tom? Bien sûr, bien sûr. J'adorais regarder. Je vais finir par écrire un livre, hein, avec toutes vos demandes là. On verra. C'est pas d'actualité, mais pourquoi pas un jour? Après, il y a un match où bah, j'ai kiffé, c'était quand on a joué à Lorient avec l'équipe de France. Parce que c'était chez moi, il y avait tous mes amis, ma famille dans les tribunes et c'était un beau souvenir. En plus, j'ai marqué un but, on a gagné, enfin, c'était vraiment top. Et c'était contre les États-Unis en plus, qui était la meilleure équipe. T'as fait tes études où? En Bretagne. Gagner l'Euro 2021 sans but de ta part ou ne pas le gagner et finir meilleure buteuse? Bah, je prends le titre. Gagner l'Euro, bien sûr.
C'est quoi tes ambitions? Mes ambitions, bah, c'est de gagner toutes les compétitions que je peux jouer et puis c'est d'être la meilleure possible. Ma pire matière, quand j'étais au collège, c'était quoi ma pire matière? J'aimais pas trop la physique, c'était pas trop mon truc. Et la musique aussi. Tu as TikTok? Non, pas encore. Quelles sont tes activités pendant le confinement? Bah, sport, cuisine, PlayStation, rangement. J'ai des cours d'anglais. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, voilà. Et je prépare mon mariage, bien sûr. Tu voudrais être entraîneur plus tard? Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire après. Peut-être, on verra. Aucune idée. Tu feras quoi après ta carrière? Je sais pas. Quelle équipe supportais-tu quand tu étais ado? Le FC Lorient. J'allais quasiment à tous les matchs. Et voilà. Après, j'aimais bien l'OL aussi. À l'époque, quand ils ont gagné tous leurs titres et tout, j'étais déjà assez fan. Tu as pensé quoi de la vidéo des Philistages? J'ai adoré. Franchement, c'était un. Des enfants, non, j'ai pas d'enfants. Vous pensez vous marier en Bretagne? Oui. Pourquoi le 9? Bah le 9 parce que c'est un numéro qui était disponible. Et puis en fait c'est devenu un peu mon numéro fétiche. Comme on est 9 enfants dans ma famille. Eh ben, je trouve qu'il a encore plus de sens pour moi. Je réponds encore une ou deux questions après je vais vous laisser. Pour mettre le live en replay. Oui. Je peux te poser une question, vas-y. Et à quand le prochain stage, je sais pas encore. Voilà, c'est en stand-by comme je disais tout à l'heure. Voilà.